Grand, je compte ça comme un demi-sub parce qu'il y a un gars qui est winner side. Mm. C'est un demi-loser side set et un demi-winner side set. Grand. Fait que là, il reste winner set, winner finals, un set. Quoi? Non, parce que c'est tous les deux une demi, une moitié du set. S'il y a un reset. Non, parce que le reset, c'est un loser side set. Fait qu'il reste un set et demi de winner side. Est-ce que je peux te dire qu'on va commencer avec un gros combo d'Udo? Il reste. À, quand t'es rendu en Grands, okay, là t'es rendu en Grands, pis il n'y a pas encore de reset. Il reste un demi-set de winners, pis un set et demi de losers s'il y a un reset. Moi j'écoutais pas, je regardais les QTP pis écoute-moi qui se donnait. Ouais, fait que là, c'est pas Stéo, c'est pas Levini. Vraiment. On n'a encore pas attendu que ce soit. C'est des gamers, non mais on n'a pas non plus été très attentifs à mettre le set. Ils sont juste assis pis ils ont parti pis c'est des gamers. Ils ont branché leur manette, ils ont baissé les drapeaux. Let's go! Tu peux pas les arrêter d'être des gamers, tu vois. Moi, j'ai appris quelque chose en vie, c'est que tu peux pas empêcher les gamers d'être gamers. Ils sont nés comme ça, ils ont pas choisi d'être gamers. On appelle quoi? C'est plein de monde! Moi, je suis un vrai gamer, man. Mon plus vieux souvenir, c'est moi qui joue à Super Mario 2. Ouais. Mais être un gamer, c'est pas vraiment juste une question de gameplay. C'est une attitude. C'est une attitude. C'est être intolérable. Tu es un vrai gamer, c'est pas du gilet gaming. T'as pas du quoi? Pas un gilet gaming, admettons. Ouais, ben oui, moi j'ai pas de gilet gaming, j'ai zéro gilet gaming. T'es pas gamer. Ah non, je suis un gamer. Tu vois-tu, quand je joue au jeu, je suis évidemment gamer. Non, t'es un compétiteur. Non, c'est ça mon point, c'est que. Un athlète. Non, mais c'est pas ça. C'est. Il y a des gens qui sont pas des athlètes qui sont des gamers, pis qui jouent pas non plus à des jeux vidéo. Le concept, c'est que tu sais, t'arrives là, pis là, il y a le jeu devant toi là. Pis là, t'es comme. Je vais comme maîtriser le jeu. C'est pas justement une compétition. Oh! Tu sais ce qui se passe quand t'es quelqu'un qui est comme, ok, je vais faire toutes les étoiles dans Mario Bros. C'est cette idée-là. Fait que si t'es quelqu'un dans un dep, là, t'arrives là, pis là, maintenant, il y a le petit mini-jeu là, de proposer aux gens au comptoir, là, s'ils veulent le rabais. Puis là, de noter les points, ok? Ça, c'est intentionnel. Tu vois les gens qui sont des gamers, même s'ils jouent pas aux jeux vidéo, à partir de. C'est bien passé. Ouais, c'est bien, genre de. Ils rendent ça close, fait c'est pas chanceux pour eux. Puis le petit système de points. C'est vraiment. Tu vois, c'est là que tu vois les gamers. Parce que les gens qui s'en calissent, puis qui ignorent le système de points, c'est parce que c'est pas des gamers. Mais les gens qui sont comme. Même c'est si je joue pas aux jeux vidéo. Zéro to death, ça, c'était clean. Ça. Mais les gens qui gardent les points, puis qui regardent le scoreboard, c'est des gamers. Ils optimisent ça. Mm-hmm. Puis c'est la même chose comme quelqu'un qui a du linge, ok? T'as quelqu'un qui a ton linge, là. Mm-hmm. Puis là, quand tu t'occupes de ton linge, là, puis tu le plies, puis tu le ranges vraiment parfaitement. Ouais. Puis là, t'as vraiment une technique très spécifique de comment tu le plies, puis de comment tu t'en occupes. Puis quand quelqu'un te demande pourquoi tu plies ton linge de même, ben, t'as une réponse. T'es comme, ah, j'ai un linge de même à cause de ça. Ce chandail-là, non, parce qu'il est trop épais. C'est toutes ces choses-là. Parce que t'es un gamer, t'optimises les choses. Tu maîtrises. Un gamer, ça optimise pas toujours. C'est le désir de maîtriser un système, puis de contrôler, puis d'optimiser un système, puis de. On a un Mark qui est en train de faire du Edgeguard de Ford Smash et on finit ça sur un an. Efficacité. On retourne au jeu, hein, parce que j'excuse moi pour la 5 là. Mais même si vous n'aimez pas les jeux vidéo, vous êtes peut-être des gamers à la maison. C'est ça ma twist finalement. Fait que tu es en train de dire qu'on peut être un closet gamer. Oui. Souvent c'est mieux là quand même. T'avoue que c'est pas les gens les plus honnêtes de la société là. C'est comme Carlo qui disait qu'il n'y avait pas les comme. Oh boy. On salue vraiment les joueurs de Call of Duty. Hein? Ah, je disais qu'on saluait les joueurs de Call of Duty. Tu sais, je disais que les gamers c'était pas toutes les plus nice personnes. Pis, Ouais, non, je confirme, je joue à code. On salue Team de Tatman. Oh! C'est bien pensé ça. Vraiment, c'est des donneurs qui tuent. Ouais. Qu'est-ce que c'est en air aujourd'hui, hein? Ah, ça. T'as-tu vu le game move que... comme dans du beurre? Oh boy. Ah, pis ça va vite, hein, quand même, les sets là. Je sais pas. Moi, j'ai envie de commenter lentement. Un peu comme une sorte de commentaire contemplatif là. Eux, ils décident de faire ça en une minute et demie. Oh, nice! Arms Attack pour pas se faire tomber dans le tourbillon de Optile et de Open Amour. Le Vini a décidé de pas avoir peur d'une aerial de Rudo. Il se disait, ah, Rudo, je le connais. Oh, on vole de l'edge. Là, on va faire attention pour pas se faire cheeser de même. Là. Ça fait une couple de fois qu'on parle des stocks. Non, mais c'est pas facile de pas se faire cheeser par Marf. Ouais. Évidemment, ça, on le remarque pas quand moi je joue au jeu. Mais faut avoir des bons DI. Tu vois là, ça. Ouf! Ça, c'était du rinse and repeat. Rudo, yeah. Je pense qu'il a oublié de réfléchir. Sans rien de personnel. C'est ça. Quand Marf te tire loin par l'avant, c'est vrai. Faut toujours recover high. Et quitte à se faire agir. C'est ça ta vie. Good, j'en prends note. Tu fais la twist. Saute, puis tu fais le high up air. That's it. Puis c'est ta seule chance.
T'as pas les Falcon en général. Ouais, en les Falcon. Ah, les autres joueurs ont d'autres outils là. Falcon à l'arcade, là, c'est ça. Ouh, ça y est laissé. Oh! D'ailleurs, tantôt vous avez vu cette discussion-là justement de comment ça se faisait que. Que mettons Marth. Parlez des trucs en fait. Comment ça les tech chase? Pourquoi ça les tech chase souvent? Ben ça sert à mettre off stage, puis là tu tues. Tu sens que j'ai un recovery correct, puis Marth il est dans le side job. C'est juste ça. Sinon, il est supposé me tuer à chaque fois. Pratiquement. Ouais. Logiquement, dès que tu es offstage, tu devrais être mort. Ouais, contre Marth. Non, mais admettons. Proche en tout cas. Mettons là, je fais vraiment tout le monde est Das, Twinix, Sisier, peu importe le personnage. T'es en dehors du stage, tu ne devrais pas revenir. C'est un summum de la. Ouais. C'est ça. Offstage, peut-être qu'il y a des situations où t'es officiellement pas mort. Non, mais comme tu dis, mon grand-père, t'es pas mort, mais t'es pas fort. Ouais, t'es. Tu tousses, mais t'achèves. C'est là ma chute. Attends. Test, micro, test. Hello. Juste checker si t'es pas décalé, tu comprends? Des fois on a ça, tu fais dessus. Ouais. Bon, de toute façon personne n'écoute ça là. Il y a juste moi qui sais que les camps avec mes cerveaux. Ah c'est bien. Tu t'es pas capable d'attendre que c'est ça sur YouTube. Des fois j'ai pas. Ouais, je trouve que c'est long. Ben en plus c'est pis faire. Moi j'écoute juste sur Twitch, mais. Mais tu pourrais juste le regarder sur les Steepy Fire. Du coup t'arrives pas à faire pas mélodie. Ouais, non, moi c'est ça que tu le commentais, je suis seul fan. Pis sur mon laptop, c'est pas le seul laptop là, que j'utilise comme malade de coucher ici. Celui-là il est low, right? J'en ai un que je traîne dans mon lit, il est déjà très léger là-dedans. Parce que là, ouais, Rudo il est redevenu solide. Quoi? Passe derrière avec le. C'est quoi ce chip là? J'ai regardé à droite! Yes. Mais il allait vers la gauche! T'as apprécié de la grab! Pas à l'arrière! Mais ça! Des fois, je sais pas si c'est l'audio qui est décalé ou si c'est votre commentary qui va plus en sens. Okay. Mais je pense que c'est là. Oh. On a essayé de styler avec un mini backflip pour René. Ah, ben là, c'est une grosse avance pour Rudo. Pour pouvoir avoir quelque chose, là. Ça serait un peu ridicule. Ça serait vraiment ridicule. Vraiment ridicule, je trouve ça. J'ai pensé à un Fox qui a trouvé la fin de game sur Infinity tantôt. Ah ouais. Tu penses que la. En tout cas, s'il y avait une manière d'être ridicule, c'est comme si ça commençait. Ouais. Oh, ouais. Mais c'est pas. Je voulais voir un on-tilt là-dessus pour le faire. Il fait pas le don de show. Il fait pas le don de show. Ah non. Peut-être que c'est difficile, pardon. Peut-être que vous devriez commencer à le respecter quelque chose. On peut commencer à le respecter. On va juste continuer de dire que c'est. Je te dis, hey, c'est tough wave shine. Tous les Fox, même les moins bons des Fox de tous les temps, font Wave Shine. Lui, il a jamais fait d'entrée de sa vie sur un. Son Fox fait des Wave Shine. Je sais. Je crois que depuis 6 mois, ça fait 5 ans que je joue pas. Ouais. Moi, je sais que c'est facile. Oh boy! On parlait des choses ridicules. Ouais. C'est plaisir. Il se dit, ah, c'est gagné, je suis 100%. Mais le Vini a toujours un petit. Il y a des surprises dans son sac. Hein. Oh, c'est vrai. Ouais. Même les surprises. Il a sorti une surprise de ses poches, puis il a fait, non, tu t'en vas. Rick and Beast, oh ouais. Il s'est dit, hop, j'ai des petites surprises, puis là, tu t'es rendu compte que la surprise c'était une épée. Ok, bon, tech chase up air, ça va tuer, ben, à ce pourcentage-là. Ok, on a un kill. Ok, fait qu'est-ce qui est le plus difficile entre Dantroni versus Waveshine deux fois de suite? Non, trois fois de suite. Ben, le truc, c'est que la difficulté est pas. C'est pas juste mécanique, c'est que c'est la réaction. Faut que tu réagisses au DI de l'autre. Faut que je réagisse au DI aussi. Waveshine, c'est moins une réaction, oh, ouais. C'est moins tight. Ouais, c'est pas mal moins tight, mais si quelqu'un teste DI. L'exécution est plus dure du Waveshine, pas sûr. L'exécution est plus dure. Hey, pour vrai, j'en ai tellement fait dans ma vie que je pourrais même pas dire, genre, qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand j'en fais. C'est la réaction puis la précision, par exemple. Ouais, ça probablement. C'est la précision parce que des fois, il y a les slides DI in, slide out. Là, tu peux pas juste sauter et faire un I. Faut que tu fasses une sorte de double saut. Ouais, pendant le deuxième saut, tu commences à incliner vers en avant puis à drift. Et le drift, faut que ce soit très précis, puis là, tu touches ton lit. Faut que tu lances le nid au bon moment dans tout ça. Oh my god, le Tom Tenses! Il s'en fout! Donner? Je pense qu'en même temps, il a même poussé un fuck à son adversaire. Il fait un joli son. Jexy, quoi, c'est gagner ton set en 3. Non, non, quand tu fais un Jexy Donner, c'est quand tu fais le don. L'autre, tu textes à la bombe, puis là, tu tech chase avec un. Oh my god, c'est tout. Pourquoi c'est. C'était tout beau! Il revient. Ben, il s'en fout. Je pense que Rudo avait besoin de retrouver la passion du joueur en faisant des trucs cool. Ah ben oui, mais son Falcon il tourne beaucoup autour de ça. Tu regardes les anciens sets, ça n'est que du mouvement. Wow, nice. Même son Fox est un mouvement. Ah ben oui, c'est un genre de mouvement, c'est ça qu'il aime. Il aime la sauce. Ouais.
Sauce barbecue ou sauce brune, après tout? Ah ben non, c'est des frites françaises, là, quand tu fais ce genre de sauce-là, okay. C'est ça, là, c'est une béchamel, c'est une magnifique béchamel. Simple, mais... délicieux, pis subtil. Oh boy, le crunch est délicieux. Tu sais, c'est pas une béchamel, tu sais, que okay, toi, t'as mis de l'eau sur une poudre, là, c'est lui qui l'a préparé du début à la fin, pis il a la bonne texture. Le trait sont assez vaches. Ok, là, la sauce. Oh boy! Il y avait un stomp là-dedans. Je sais qu'il voulait faire stomp. Bon. Oh boy! Et non, on n'est pas sur toutes les maps, sauf Yoshi Story, ça va mal faire ça. Wow! C'est bon. Crush Cancel, donc c'est un classique pour un Marvel qui compte les Marvel qui cover. Évidemment. Okay. Là, Randall, le mini veut trouver la géante. On a vraiment mal timé Randall. Double down air. Ah, ouf! C'est dangereux quand tu vas offstage pour faire des backers comme ça, là, sur le recovery. Non, mais ça meuse. Ah, ben oui, ça, là, ça veut ça, mais il fait beaucoup de choses dangereuses, puis. Mais il gagne. Il s'est gagné. Il aime vivre dangereusement. Bravo à Rudo Falcon, le meilleur Falcon de Québec. Actif. Moi, je suis inactif, je suis en train de